Yo tout le monde, c'est la barre, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Squad Builder les potos. Et oui, que des Squad Builder pour l'instant sur la chaîne. Mais c'est pas grave, on est sur FIFA 17. Donc avec une composition de 4-4-1-1, 84 de général, 94 de collectif. Franchement le collectif, moi je m'en fous. Mais franchement c'est une bête d'équipe. Vous pouvez changer des joueurs si vous voulez vraiment son collectif. Et moi je vais vous montrer avec les joueurs que j'ai là. Franchement c'est une bête d'équipe. Donc voilà, le gardien les gars, Butland. Bon je l'ai en prêt, avant je l'avais acheté mais je l'avais revendu. Vu que là je l'avais en prêt, bah je l'avais mis. Parce que je voulais le mettre sur cette équipe là. Donc Butland, je pense ce gardien il est impossible de marquer à part si vous mettez des PES. Il est trop chaud. Franchement je pense que c'est un des meilleurs gardiens du FA 17. 1m96. Franchement trop trop fort. Je vous le conseille de ouf si vous avez vraiment pas de crédit. Mais franchement il est trop chaud. Premier défenseur central, Bailly, je l'avais montré dans le précédent squad builder. Mais franchement je le mets parce qu'il est vraiment trop fort. 81 de vitesse, 83 de physique. Franchement trop chaud. Donc je l'avais eu en premier détenteur. 1m87. Franchement il est énervé. Deuxième défenseur central. Bon là j'avais pas de contrat parce que je venais de gaspiller mes contrats. Donc Varane, 77 de vitesse. Mais vraiment on dirait pas que la 77 de vitesse. Quand tu vois que le gars il trace Aubameyang en vrai, donc voilà, rien à voir. 77 de vitesse et sur le jeu il est trop rapide. Je l'ai acheté pour 5000, franchement ça passe. 1m91, il est grand. Pour un défenseur central c'est la base, rapide. Il est physique, donc voilà je vous le conseille de ouf. Il est trop chaud. Défenseur gauche, Clichy, je le remets parce que je l'avais montré dans l'autre équipe. Mais franchement il est trop chaud. C'est pas que j'ai pas envie d'acheter un défenseur, mais je pense que c'est un des meilleurs défenseurs gauche sur le jeu. Si vous voulez faire des hybrides avec des BPL etc. Donc 83 de vitesse, 68 de physique. Franchement, la vitesse, c'est ça qui compte pour un défenseur. Donc, je vous le conseille de ouf. Vraiment, il est trop puissant. Défenseur droite, Carvajal, les gars. Carvajal, vraiment trop, trop puissant. 82 de vitesse, 78 de physique. Ça se voit pas, franchement. Il est trop rapide. Acheté juste pour 1700. Franchement, il est pas cher. 1m73, ça passe. Donc, voilà, c'est la vitesse qui compte. C'est vraiment ça. Parce que si vous mettez un défenseur droite qui a 50 de vitesse, ça sert vraiment rien. Tu tombes contre Ronaldo, gros. Tu t'es bouffé. Tu te fais enculer ta race. Donc, voilà. 82 de vitesse. Vraiment, je vous conseille direct. MG, les gars, Insigne. Donc, j'avais fait le truc pour l'avoir. J'ai oublié le défi là pour l'avoir. Franchement, c'est une pépite. Il est trop fort. Il est petit, mais franchement, il est rapide. Il se faufile dans les mailles du filet. Tu vois, tu le vois pas. On dirait un poisson, tu vois. On dirait un petit poisson qui a envie de partir, tu vois. Genre, quand le pêcheur il a envie de le pêcher, franchement, il est trop chaud. 92 de vitesse, 91 dribble. Le physique, franchement, ça on s'en fout parce que je vous dis, il se faufile vraiment partout. Il est trop chaud. 86 de passe. Vous le mettez des fois si vous voulez changer, genre, vous le mettez à la 60e minute et il vous fait des miracles, les gars. Si vous perdez, il vous fait des miracles. Il lui fait la misère à l'adversaire, il lui fait l'amour, il lui fait tout ce que tu veux. Donc, je vous le conseille direct. Donc Insigne trop chaud. MD les gars, Williams trop fort avec sa tête de lama, mais franchement il est trop chaud. Je l'ai acheté juste pour 1900, franchement il est trop technique. 92 de vitesse, franchement pour les MD c'est vraiment ça qui compte aussi. Un peu de physique, franchement il a presque 8 ans de physique, ça passe. Franchement il est énervé, 1m86. C'est pas mal, 4 étoiles 10 techniques, 3 étoiles mauvais pied. Franchement c'est pas tout ça qui compte. Vraiment hyper puissant, donc je vous le conseille direct. Premier MC les gars, Hamzik. 8-5 de général, franchement il est trop fort avec sa tête de poisson. Franchement il est trop puissant. Mais franchement je vous conseille direct le AT les gars. J'ai mis Gomez boost même s'il est en BU, c'est pas ça le problème. Franchement il est trop fort. 4 étoiles MOP, 4 étoiles gest technique, 91 de vitesse. Il met des frappes les gars hallucinantes, il met des long shots. Donc voilà, vous pouvez regarder quand c'est but avec mon club. Donc voilà, il y avait que moi qui avait joué avec 44 parties. Franchement c'est, il marque presque un but par match. 2 buts par match, il est vraiment trop puissant, donc je vous le conseille direct. 4 étoiles MOP, 4 étoiles technique. Donc voilà, Gomez, vraiment trop puissant. Troisième MC, les gars, Modric, 89 de général, hyper puissant. Je pense que j'ai même pas besoin de vous parler parce qu'il est trop fort. Donc voilà, ces stats là, ces stats ils sont un peu bizarres, mais franchement, sur le terrain, rien à voir. 66 de physique, je pense que c'est rien à voir. 74 de vitesse. Moi je pense que j'aurais mis presque un 77, tu vois, ça aurait passé. Mais franchement sur le terrain ça se voit vraiment pas. 4 étoiles MOP, 4 étoiles gestes techniques, il met des frappes hallucinantes, vous pouvez mettre des long shots, des coups francs, ça passe comme dans du beurre. Donc voilà, je vous le conseille direct. Donc pour conclure ça les gars, le BU Icardi, trop fort, trop trop fort. Il a 2 étoiles gestes techniques, franchement je comprends pas, pourtant c'est un pro et tout. Mais il est trop fort, oh, que ce soit en vrai sur le jeu, il est trop trop puissant. Donc 8 dans le cas de vitesse, 91 tirs. Les tirs, c'est hallucinant. Vous mettez des long shots, mais pff, atroce, comme vous voulez. 8 ans de physique, franchement hyper puissant. 8 ans de dribble, mais il a 2 étoiles de geste technique. Vous pouvez même pas faire un roulade avec ça, mais bon, bref, c'est pas grave. Mais franchement, il est trop fort. Si vous n'êtes pas trop technique, etc. De toute façon, sur FIFA 17, les techniques, ça, pff, voilà quoi, ça sert pas à un truc.
truc de ouf. Donc en plus, si vous jouez au FUT Champions avec cette équipe, vous niquez des mers. Franchement, Icardi hyper puissant, je vous le conseille direct. Donc en boost, 88 de général. Donc si je vous montre toute l'équipe, les gars, ça donne ça. Donc voilà, très très belle hybride, 84 de général. Franchement, hyper puissante l'équipe. Donc je vous la conseille vraiment. C'était tout pour cette vidéo, les gars. C'était la barre. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci à la chaîne communautaire qui vous m'upload. Moi, je vous dis, lâchez un petit like, mettez un petit commentaire, abonnez-vous. Allez, peace. Tu parles sur moi, tu me fais de la pub. Maintenant je suis sur Deezer, sur iTunes. Elle fait la belle, elle fait